suis Challenberger, je suis né à Bruges, je fais partie de deux cultures. Ma mère était flamande, mon père il est manouche, donc je suis, j'ai toujours vécu un peu entre deux mondes, entre le monde flamand où j'ai été à l'école, j'ai eu plein d'amis, et entre le monde manouche qui sont plutôt de la famille. J'ai donc tout de suite été confronté à deux langues, le néerlandais et le romanès. Le romanès, la langue des manouches. La musique a été toujours extrêmement présente dans ma vie. Enfin, il y a une citation que j'aime bien reprendre. Sans musique, la vie serait une erreur. Et c'est vraiment... c'est un peu comme... c'est comme la respiration. On peut pas vivre sans. Ici, dans ce trio-ci, on ne joue pas forcément des morceaux très connus. Parce qu'on se concentre sur les chansons manouches, sur les chants. Donc des musiques qui n'ont pas souvent été jouées en dehors de la communauté manouche. C'est vraiment les chansons manouches, donc ce n'est pas les morceaux de Django Reinhardt et les morceaux jazz standard autour qui sont devenus des classiques du jazz manouche. C'est Sam qui était en contact avec les jeunesses musicales, qui se disait que ça pourrait être amusant si on pouvait faire un truc, s'il pouvait faire quelque chose avec moi. Et puis moi je suis venu avec cette idée de faire Romane Gidia, comme je pourrais l'appeler en romanès, c'est-à-dire les chansons manouches. Parce que si c'est pour des enfants, c'est important qu'on puisse raconter des anecdotes, des histoires. Là on peut parler des chevaux, de la mode de vie, des professions qu'avaient les tziganes, le cirque. Évidemment, jouer dans un festival qui parle ou qui est autour des musiques migrantes, évidemment que ça a tout un sens. C'est-à-dire, déjà, en allant vers Budapest, en allant vers la Roumanie, plus tard en Grèce, la Bulgarie, etc., je me suis toujours intéressé à des communautés qui pouvaient peut-être exister ici à Bruxelles aussi, pour essayer d'être plus proche de toutes ces musiques que j'aime et de ces langues que je veux parler. Et puis en effet, les manouches eux-mêmes sont des... Bon, ça fait déjà tellement de générations qu'ils habitent ici en Belgique, en France, qu'ils se considèrent comme européens occidentaux en fait. Mais ils viennent d'autre part. C'est juste que ça date d'il y a tellement longtemps qu'on ne se souvient pas d'où on vient. C'est des croisements qui se font au fur et à mesure, presque par hasard de temps en temps.